à Megève, toujours avec notre chef Juan. Juan, qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui ? Aujourd'hui, je voulais faire quelque chose en famille, un plat typique des Alpages, la tradition aujourd'hui, la croziflette. C'est à ne pas confondre avec la tartiflette. Exactement. La croziflette, c'est la tartiflette sans tarte. En fait, on change les pommes de terre par des creusets. Les creusets, c'est ces petites pâtes carrées, typiques de la montagne, qu'on adore. Ça va être bien lié au reblochon, un peu grassouillé. On va voir comment les gens, aujourd'hui, les joueurs, taillent les oignons. T'as du beau monde parce que, bon, les Anglais, au niveau bouffe, on a un expert goûteur, Kali, Yash. Et puis, on a le Japon aussi aujourd'hui. En fait, et la Colombie, la Brésil. Un peu de France, quand même. Bon, bah, au boulot. On va tailler les oignons. Chacun doit couper un oignon. Ça vous va? Je vous montre. Alors, vas-y, montre-nous. C'est pas mal, c'est parfait. Bravo, bravo, pas mal. Yash, la France te regarde. Alors, la France comme t'entends, Yash. Bon, t'as compris, hein? Le sud-ouest te regarde. Tout en simplicité, t'es gaucher, il est gaucher. Attention, l'angle. Oh, bravo. C'est beau, le taillage est fin. Accélère, Yash. Pas une croziflette de touriste. Alors, parce que je savais pas où t'allais aller. Bon, c'est l'heure de la dégustation. Alors, vas-y. Exactement. It's not, are you happy with this? You know the sushi. It's your different. Quite different. Ça va? Il fait durer le suspense. Ça, on va se couper, ça. Le Japon a dit c'est bon. Mon petit Juan, merci pour cette magnifique croziflette. Là, c'est Kali qui va dresser 150 assiettes. On va laisser bosser parce que nous, on a assez travaillé. On se voit demain, encore à Megève. Rendez-vous demain. Avec tous les secrets.